On a la première compétition de l'année qui va commencer. On est avec Pierrot du club. On va juste s'échauffer tranquillement. Il y a des gens qui s'échauffent là derrière. Tu veux qu'on s'échauffe dehors ou... Non, c'est bon. On va prendre une piste. Et, et ouais, voilà, premier circuit national de l'année. Ça va être une petite épreuve sur laquelle on va pouvoir tester un petit peu tout ce qu'on a mis en place dernièrement. Puis ça va être un petit peu le bilan, quoi, j'ai envie de vous dire. Ça va permettre de voir si tout ce que je fais, etc., c'est cohérent avec, avec les besoins de l'escrime, etc., ou pas. Donc ça va être intéressant, je suis pressé de voir comment ça va se passer. Et puis, on va juste le faire. Peut-être de revenir sur les points qui étaient intéressants ou pas. Tu t'es pas entraîné? Je suis pas monté sur une piste d'escrime. Ça va? Donc là on va s'échauffer avec Pierre qui est là-bas. On va faire un petit peu d'assaut avant le début de la compétition, histoire de se mettre en jambes, tout ça. Et puis voilà, c'est le déroulement d'une compétition. Sur ma chaîne, en fait, j'ai un truc que j'ai lancé dernièrement que t'as pas dû voir à cause du décalage, qui est en fait qu'il n'y a pas de petits objectifs. Passer les poules, ça serait cool. Passer les poules, c'est un objectif réaliste. Après, un vrai objectif, ça serait passer le dimanche. Ok. Il y a vraiment pas de mal à avoir. Le but, c'est pas forcément d'aller aux Jeux Olympiques ou quoi que ce soit. L'important, c'est d'être. C'est quoi le plus important au final sur une compétition, Pierre? C'est de pas avoir de regrets. Pas avoir de regrets. C'est quelque chose en plus qu'on dit souvent sur la chaîne. Je vais pas demander avant, mais voilà. C'est vrai. C'est vraiment important de juste être content de ce que tu fais. Ça sert à rien de se fixer des objectifs par rapport à ce que les autres font et juste par rapport à ce que toi tu veux. Et Pierre, il a compris ça. Go Colin, go! That's for you! Ouais, c'est un micro. Jade a décidé de nous soutenir. Merci. Elle va nous faire atteindre les 250 abonnés. C'est nous. C'est un moment historique. Diabaté. Ouais. Là? Ouais. Je suis abonné. Lourd. Lourd. Merci Jade. De rien. This is the winner, Colin Kepel. Là on va avoir la poule qui va commencer, on va faire des matchs un peu avec tout le monde, on va voir ce que ça donne, si je suis faible ou si je suis bon. Et puis... Merci Pierrot. Ouais, franchement la journée commence super mal, je sais pas comment je vais m'en sortir, c'est... C'est Corentin qui m'a dit qu'il fallait que je mette un scénar, que genre il y avait des obstacles à franchir, etc. pour rendre le truc un peu plus intéressant, mais... Faut justifier les défaites, quoi. J'ai manqué un tout petit peu de sérieux. Je me suis un peu amusé au début et du coup ça a pas marché. Faut que je sois un peu plus calme, plus sérieux, plus rigoureux. Vu que là c'est match de poule, tout ça, j'ai salé, mais bon.
c'est mieux quand je suis un peu plus sérieux et rigoureux. Voilà, un deuxième match accompli. Cette fois j'étais un peu plus sérieux, plus rigoureux et du coup le match est un peu mieux passé. J'ai eu un petit relâchement vers le milieu du match. On s'en fout de ce qu'il raconte. C'est très gentil, j'apprécie. Mais ouais, voilà, c'était déjà mieux que le premier match. Probablement le match le plus dur de la journée. J'ai dû vraiment faire attention et mieux gérer la distance parce que je me faisais quand même mener 4-2. J'étais trop en fait à avancer sur les jambes et pas assez la pointe. Du coup j'ai commencé à travailler beaucoup plus de la pointe et ça passait mieux quoi. Je fais chercheur. Bon, déjà je rentre dedans et au corps à corps je vois que je suis plus fort que lui, du coup ça me met en confiance. Juste après je fais feinte de fouette à la main opposée carte, celle-là a été magnifique. Et ensuite on a fait genre sur le départ, un petit fouet intérieur, il était pas prêt, j'étais trop rapide, pau, touché. Clignoté rouge, non, je te jure. Non, je sais pas pourquoi la vidéo s'est arrêtée, pour une raison que j'ignore, on va voir. Non, c'est la... Ouais, mais c'est pas grave, c'est arrêté. Bon, j'ai gagné le match, 5-4, mort subite. C'est des matchs assez tendus, mais ça va, c'est... J'en sors combien du tour de poule? Je sais pas encore, les résultats vont sortir après. Mais voilà, je m'en sortir plutôt pas mal, 4 victoires, une défaite. Et je devrais être classé entre 40 et 60, j'imagine, avant qu'ils retirent le top 16, parce qu'en fait ce qui se passe en circuit national, c'est que les 16 premiers de la compétition après les poules, donc les phases préliminaires où vous savez on est dans un petit groupe comme au foot en fait, comme en Coupe du Monde, les 16 premiers sont qualifiés directement pour le lendemain, donc dimanche, donc ça en fait 16, et t'as les 16 premiers au classement international qui sont qualifiés également pour demain, en gros c'est ça. Ici on a Kevin Kongasiu, pour qui j'ai acheté des chaussures et qui a failli les perdre avec tout mon matos. Alors elles sont combien les chaussures achetées en Chine? Elles sont parfaites. Ouais, parfaites. Ouais. Bah vaut mieux parce que franchement si on les avait perdues... tu m'aurais remboursé là je pense. Bah ouais je l'aurais fait tu vois, mais franchement pour China Sovereign qui a, qui a fait tout le mauvais taf tu vois, ça aurait été un peu... Ça aurait été sale, t'imagines, j'aurais dû donner 200 euros parce qu'ils ont perdu le sac. Ouais. Je suis trop content d'avoir eu l'idée de donner ça à Jérémy, franchement. Ouais. Ça s'est passé comment ta compète? Bah, je fais 2v, 3d. Propre. Bon courage pour le reste. Ouais, comme merci là à toi aussi. Du coup voilà, c'était... C'est sympa, je vais être du coup. Du coup ils vont enlever les 16 premiers comme je vous ai dit. Et du coup il y aura un décalage, ensuite ils vont garder 64 premiers
de la journée. Et donc c'est un tableau d'élimination direct, tout ça, vous savez, genre le blabla habituel. Et puis là on s'en fout, enfin on s'en fout. C'est pisse, c'est pas mon objectif de résultat, c'est juste un entraînement pour moi. On est avec Lilian Ngepak, médaille de bronze au championnat. Et puis on a le tableau d'élimination directe qui va commencer, donc pour tout le monde. Ah ouais, on a Grégory Rebus, hein. On a des éliminations directes, c'est important. Voilà, c'est. Il a fait 4ème après les poules, il est super chaud. Et du coup ouais voilà. On va tous faire des matchs en 15 touches, on a 2 tours pour se qualifier et puis on va faire ça sérieusement et se qualifier. Si on perd, t'es éliminé, tu joues pas le deuxième jour, donc c'est super important de faire ça sérieusement. On va bientôt commencer le tour de tableau, je sais pas contre qui je tire. Match en 15 touches, il y a 2 matchs à gagner pour se qualifier pour demain. Je suis un peu stressé, mais on va faire ça proprement pour respirer, prendre le temps de faire le match correctement, puis on va le faire. Allez, Steven. Monsieur Bertzen. Est-ce que je suis un peu plus sérieux, un peu plus rigoureux? Est-ce que je suis en focus là? Préoccupation pour un match. Faut juste que je sois un peu plus sérieux, rigoureux. Il manque un peu de sérieux là. Une fois que j'ai vu que je menais 6-1, j'ai considéré que le match était acquis. Faut que je me calme un peu et que je continue le travail sérieusement. Bon voilà, match gagné assez aisément, pas trop de commentaires à faire. J'étais juste plus fort. Et peut-être, l'entraînement sert peut-être à quelque chose. Mais au-delà de ça, voilà. On va voir le prochain match contre Issa Behram qui était sur des coups du monde. C'était les années précédentes, là ça va être un vrai match, ça va être intéressant. Je suis stressé mais on va le faire. Kendrick, dis à Vincent que je suis là. Dis à Vincent que
Gestion pas trop dégueulasse du match. Luigi Middleton, vous avez un mot à ajouter? Il a du match parfait, donc on va continuer comme ça, concentré, pas faire de bêtises. Et en plus, il réagit super bien quand je fais juste un engagement pour lui donner l'impression que je prends du fer, alors qu'en fait non. Et ensuite, il ouvre et du coup, je peux partir. Je suis comme ça. Donc voilà, du coup, super bonne compétition. Plutôt, j'ai perdu un match en début de journée parce que j'ai fait le con, je chantais le dimanche à Bamako. Mais du coup, voilà, j'ai été super solide. Issa, il faut savoir qu'au circuit national junior qui avait lieu la semaine dernière, il a fait deuxième. Donc c'est pas une merde, il est fort, il part sur les coupes du monde, etc. J'ai été super solide, donc ça montre que l'entraînement que je mets en place porte ses fruits. Je suis super content. J'espère que vous aussi vous faites pareil de votre côté, que vous continuez à avancer. Et on va juste continuer comme ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. N'oubliez pas, il n'y a pas de petits objectifs. Vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Et on va continuer comme ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. Boum ! Le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Mais pourquoi il fait ça ? Ah, il y a une... Après, un coup, il va faire quoi ? Oui. T'as le nouveau réalisateur en chef de chasse et pêche.